pour t'avoir un peu regardé à la télé, j'ai eu l'impression, je te jure, que t'étais comme une petite folle. Genre, tu t'éclatais comme une petite folle. Déjà parce que t'avais peut-être pas anticipé le fait que tu serais qualifiée. Déjà. Et du coup, j'ai l'impression que chaque épreuve, tu la vivais, mais en mode... je kiffe, enfin, je... Mais putain, regardez-moi, je suis trop contente d'être mais là, grave. En fait, c'est juste mais ça. Mais t'étais un rayon de soleil. T'as tapé la bise à Nelson. Déjà. Ça, franchement, c'est une grande fierté parce que ma grand-mère regardait les championnats et tout, et je sais que bah elle aimait trop Nelson, du coup. Petite ça dédicace, m'a fait... voilà. Nelson. Ça m'a fait. Du coup, j'ai trop aimé cette compète. En fait, c'est celle auquel je garde le meilleur souvenir pour l'instant parce que j'ai pu m'exprimer et être la meilleure au moment où tu dois l'être. C'est tellement dur dans notre sport. C'était des super émotions, quoi. Déjà, quand on est arrivé sur le stade, elle et moi, on s'est dit, bah, on est fait pour faire ça. C'est vrai? Ah, parce que moi, je suis bénévole. La récompense, c'est ça. Et quand on y était, on n'était pas impressionnés. On était vraiment chez nous, quoi. Donc déjà, ça, c'était super. Et après, bah, au fil de l'eau, elle s'est ménagé le suspense. Hein. C'était une belle pièce de théâtre qu'elle nous a fait. Hein. Je savais ce que ça représentait, déjà, d'être là, et de faire ce que j'étais en train de faire. Et du coup, ben, en fait, je voulais juste le vivre intensément, pleinement. Quoi. Pleinement, j'étais habitée par mon heptathlon. Je voulais juste continuer à vivre ça, surtout me redescendez pas sur Terre, quoi.